J'ai commencé à faire des films presque, enfin, dans les premières années que j'étais là, c'est-à-dire dans les années 50-55 par là. C'était surtout les fêtes liturgiques paroissiales que je filmais. D'ailleurs, c'était les choses qui, je dirais, m'intéressaient davantage et me permettaient de repasser aux gens des cérémonies, où ils étaient, où ils vivaient, etc. Fêtes, kermesses, célébrations, communion, etc. Qui m'a motivé pour faire le film, pour faire des films, c'est le fait d'avoir des enfants, comme par hasard. Et il se trouve que nous habitions Cabourg à l'époque. J'ai acheté chez un photographe local une caméra Kodak d'occasion. J'ai acheté ça dans les années 50, 52 à peu Non, près, non, 51. ou 51. Et c'est une caméra Kodak qui d'un modèle 1938 environ, donc un modèle d'avant-guerre. Alors j'avais la poignée en bas là. Et j'avais ici la prise pour le démarrage. On remonte, ça tourne. Et puis voilà, ça permettait quand même d'avoir de très bonnes des images tout à fait valables. Voilà. Mai 1946, la guerre vient de se terminer. La vie reprend, mais le souvenir du conflit est encore bien présent. Alors, ça, c'est la musique de Saint-Sauveur-Nonnelin, les Amis de la Liberté. Et les anciens combattants, bien sûr, ceux de 14, bien sûr, et puis ceux de 39. Ils rentrent à l'église, voilà. L'église qui a été sinistrée, le chœur a été complètement démoli. Ça, c'est la nef, couverte avec du papier goudronné, récupéré sur le camp d'aviation de Gonfreville. Voilà le chœur complètement démoli, et la sacristie. Bon, une petite prière au monument. Un dépôt de gerbes, deux gerbes, une par ceux de 14 et une par notre génération, ceux de 39-40. Voilà, les monuments aux morts. Là, on a le baraquement qui a servi de mairie, de salle de réunion. Et ce baraquement, eh bien, il a été construit après la guerre, à la suite de la destruction du groupe scolaire qui était sur la place et qui servait à la fois d'école, de mairie, de salle de réunion. Le bombardement qui a détruit le groupe scolaire a aussi touché l'église, puisque toute la partie nef de l'église a été détruite, et une partie du prieuré à côté, puisqu'il y a eu des morts au prieuré par les bombardements. En juin et juillet, on récolte le foin qui servira à l'alimentation des animaux durant la mauvaise saison. L'herbe est d'abord fauchée. Ici, la faucheuse mécanique a remplacé la faux que les hommes utilisaient autrefois. On utilise ensuite la faneuse. Le fanage
consiste à étaler l'herbe coupée pour favoriser le séchage. Il est important que l'herbe soit bien sèche pour qu'elle se conserve. Les petites fourches qui étalent l'herbe sont mues par la rotation des roues de la faneuse. Puis, on attelle la râteleuse. La râteleuse ramasse le foin séché et l'amoncelle sous forme de lignes qu'on appelle les andins. Le foin est ensuite mis en meule à la fourche. Les meules, chez nous, étaient appelées veillottes. Puis, le foin est bottelé. La botte permet de faciliter le transport et le stockage du foin. Puis, les bottes de foin sont transportées à la ferme et entassées dans le grenier. Elles serviront tout l'hiver à nourrir les animaux. Après avoir passé le plus dur de l'hiver à l'étable, les vaches sont sorties dans les pâturages à la belle saison. Quand le champ n'est pas clos, la vache doit être attachée. On la relie par une chaîne à un piquet planté dans le sol. Trois fois par jour, le piquet doit être déplanté, puis replanté plus loin pour que la vache ait toujours de l'herbe à paître. La traite des vaches est principalement effectuée par les femmes. La traite se fait le matin et le soir dans le pâturage. Le lait est ensuite rapporté à la ferme dans des bidons. Ces bidons peuvent être tirés sur un chariot ou suspendus à un jouquet posé sur les épaules. Au début des années 70, apparaissent les premières salles de traite. Ces systèmes permettent de limiter le temps passé à traire et donc d'augmenter la productivité. Les gobelets trayeurs sont appliqués sur les trayons de la vache, autrement dit les extrémités du pis. Le gobelet trayeur extrait le lait en imitant la succion exercée par le veau. À cette époque, les machines à traire nécessitent encore la présence d'une personne pour laver les trayons de la vache, installer les gobelets trayeurs et les retirer. Dans les années 70, on sème et on récolte encore le sarrasin selon les méthodes anciennes. La graine est semée à la volée. Puis, la herse est passée sur le champ pour recouvrir les graines. En septembre, le sarrasin est parvenu à maturité. Il est coupé à la faux. Les deux pièces en arc de cercle, fixées à la faux, servent à coucher la plante au moment du fauchage.
Le sarrasin est mis ensuite à sécher en petits cônes, appelés des buaux ou des bonshommes. Deux semaines plus tard, le sarrasin est sec. Le battage peut commencer. On a étendu au sol une toile très solide, appelée toile battresse. Les hommes sur la toile battent en cadence les tiges de sarrasin avec leur fléau de bois. Tandis qu'un autre homme, avec une fourche, pousse le sarrasin sous les fléaux. Sous les volets de coups, le grain est séparé de la paille. La paille est retirée et le grain reste sur la toile. Il ne reste plus alors qu'à ramasser le grain. Sur ces images de reconstitution, on assiste au vannage, qui consiste à débarrasser le grain des restes de paille et des déchets auxquels il est encore mélangé. Le vannage peut aussi être effectué à l'aide d'un vent mécanique, appelé le tarare. Le grain est secoué sur des grilles vibrantes et les impuretés sont évacuées grâce à l'air soufflé par un ventilateur. À présent, le grain de sarrasin est prêt à être engrangé. Réduit en farine, il servira à faire des galettes et de la bouillie de sarrasin, deux plats couramment consommés autrefois. Contrairement au sarrasin, le blé ne se bat plus au fléau depuis longtemps. Les premières machines à battre le blé sont apparues chez nous au début du XXe siècle. Le blé était fauché à la main ou mécaniquement, puis porté à la batteuse pour séparer le grain de la paille. Malgré l'utilisation d'une machine, la corvée de battage nécessitait encore un grand nombre de travailleurs. À partir des années 50 et 60, apparaissent les moissonneuses-batteuses qui fauchent et battent à la fois. Ces machines permettent bien sûr un gain important de productivité. La paille est mise en botte par la machine. Et le grain est récolté directement à la sortie de la moissonneuse. Pendant des siècles, les maraîchers créanciers se sont servis du varech comme engrais pour leur culture. Le varech était coupé sur les rochers en début d'année avec une petite faucille ou faucillon car il était interdit d'arracher les algues. N'ayant pas de rochers sur leurs côtes, les créanciers allaient couper le varech sur ceux des communes voisines. Ils disposaient pour cela d'un droit. Comme le cheval ne pouvait remonter sur la dune avec un chargement plein, le transport se faisait en deux fois. Une première demi-charretée était remontée, puis vidée au bord de la route. La charrette repartait à la mer, puis le cultivateur remontait une deuxième demi-charretée. Et le premier chargement était ajouté au second sur la charrette. Pendant ce temps, l'épouse achetait au boulanger un petit pain brioché, appelé une gâche.
et l'on se restaurait avant le départ. On prenait ensuite la route du retour. Il fallait 3 heures pour parcourir les 12 kilomètres de Saint-Germain-sur-Aix à Créances. Le varech est ensuite étendu sur les parcelles pour engraisser le sol. Nous voici dans les miels, autrement dit des terrains de sable situés près du littoral et cultivés depuis longtemps à Créances. Quelques semaines plus tard, au mois de mai, on se prépare à semer les carottes. La première opération est le fouissage, consistant à retourner le sable avec une pelle légère. Jusqu'aux années 60, la plupart des tâches sont encore effectuées à la main. La graine de carotte est ensuite semée à la volée, ce qui demande beaucoup d'expérience et d'habileté. Puis vient le ratelage. Après le passage du râteau, il faut tasser le sable. Cette opération est propre au maraîcher créancier. La progression se fait de côté par petits pas. La pointe du pied arrière est à la hauteur du talon du pied avant, de telle sorte que les deux pieds couvrent une bande de 40 à 50 cm de large. Le terrain est ensuite recouvert d'une fine couche de tangue afin d'empêcher le vent d'emporter le sable de surface et les graines. La tangue est un sable grisâtre que les cultivateurs vont chercher dans le Havre. Le geste doit être maîtrisé pour étendre la tangue en une couche régulière et fine. Les carottes ont poussé. Leur aspect clairsemé est dû au fait que les sables n'étant pas arrosés en ce temps-là, la levée des jeunes légumes était très irrégulière. Ici, les cultivatrices procèdent à l'éclaircissage, qui consiste à désépaissir les parties les plus denses. On arrache les carottes de manière à ce que les carottes restantes soient séparées de leurs voisines par une largeur minimum de 3 doigts. Autre travail, le sarclage, pour débarrasser les légumes des mauvaises herbes. Ce travail était essentiellement l'affaire des femmes. Il était souvent effectué en groupe et dans la bonne humeur. Après la guerre, le commerce des légumes se développe. Créée en 1948, la SPAC, Société de production agricole de Créances, innove dans le conditionnement des légumes. Ici, les carottes sont livrées par le cultivateur. Elles sont ensuite lavées et triées. Puis, mises en cagette et pesées sur une bascule romaine. Dans cette autre salle, les carottes sont mises en sachets d'un kilo. À l'époque, des innovations sont imaginées, comme celle de réunir dans un même sachet tous les légumes et les plantes entrant dans la composition d'un pot-au-feu. Carottes, poireaux, navets, oignons, persil, thym et laurier. Ces nouveaux produits, destinés au marché de la grande distribution naissante, connaissent des débouchés importants. On fabrique également des conserves de haricots et de petits pois. Les boîtes sont fermées à l'aide d'une sertisseuse à main. Le sertissage permet de fixer un couvercle sur la boîte sans soudure et avec une étanchéité parfaite. Les boîtes sont ensuite stérilisées afin de détruire les microbes et permettre aux aliments de se conserver.
Après avoir été chauffées à plus de 100 degrés, les boîtes sont refroidies dans un baquet d'eau. Puis, les boîtes sont étiquetées et emballées en vue de la vente. À partir des années 60, les méthodes de culture changent. Le repiquage des poireaux, qui autrefois se faisait à la main, est devenu mécanique. Depuis, dans tous les domaines, les techniques agricoles n'ont cessé d'évoluer. Chez nous, autrefois, les gens buvaient rarement de l'eau. Le cidre était la boisson principale. La fabrication du cidre a lieu en automne et commence bien sûr par le ramassage des pommes. On utilise des variétés de pommes particulières, appelées pommes à cidre. Il faut aussi préparer la paille, qui servira plus tard pour le pressage des pommes. Les épis de blé, qui ont été coupés à la faucille, sont battus sur l'établi pour en extraire le grain. La paille est ensuite peignée sur un grand peigne accroché à une échelle pour enlever les brins superflus. Enfin, la paille est mise en gerbe. Il faut aussi brosser et nettoyer l'intérieur du tonneau pour qu'il soit prêt à recevoir le cidre. La personne chargée de ce travail doit passer par une petite ouverture appelée le viquet. Cette ouverture, plus tard, sera bien sûr refermée et rendue étanche. La fabrication du cidre peut commencer. Les pommes sont d'abord broyées, soit à l'aide d'un moulin, soit avec un tour. Les pommes broyées sont ensuite retirées avec une pelle en bois et déposées en couches sur le pressoir. La couche de pommes est recouverte d'une couche de paille ou bien d'une couche de roseau, comme ici. Puis, on dépose une nouvelle couche de pommes broyées et ainsi de suite. Une fois l'assemblage des couches terminé, on presse le tout pour en tirer le jus. Puis, le jus de pomme, ou cidre doux, est mis en tonneau. Il s'opère alors une lente fermentation naturelle, pendant laquelle le sucre contenu dans le jus se change en alcool. Le cidre se forme peu à peu. Quelques mois plus tard, on mesure la quantité de sucre présente dans le cidre à l'aide d'un tensimètre. Cette mesure permet de savoir si le cidre est prêt à être mis en bouteille.
Une fois le cidre en bouteille, sa fermentation se trouve très ralentie. Il peut alors se conserver au moins une année. Le calvados, ou la goutte, comme on l'appelait, était aussi une boisson très courante autrefois. Le café se buvait toujours mélangé avec de la goutte. Le calvados s'obtient par distillation du cidre en utilisant un alambic nommé chez nous une bouillotte. L'homme, au premier plan, est le bouilleur de cru, la personne chargée de ce travail. Ici, installé dans un pré, un autre type d'alambic, appelé alambic à repasse. Le principe de la distillation est simple. Le cidre est introduit dans la bouillotte au moyen d'une pompe. Il est chauffé par une chaudière à bois. Quand la température approche 78 degrés, l'alcool contenu dans le cidre s'évapore. Les vapeurs d'alcool circulent par un tuyau, puis sont refroidies et redeviennent liquides. On récupère ainsi l'eau de vie. Pendant que se déroule l'opération, le bouilleur s'accorde une pause repas. La distillation est terminée. Ici, on vide la cuve contenant le cidre débarrassé de son alcool. La distillation d'alcool est une activité très réglementée. Elle doit faire notamment l'objet d'une déclaration au service des contributions. Enfin, le bouilleur repart avec son alambic. Il se transporte ainsi de ferme en ferme. La pêche à la senne était couramment pratiquée sur nos côtes autrefois. À Créance, on pêchait le mulet à la senne. La pêche s'effectuait à marée montante à la sortie du Havre, à l'endroit où la rivière rejoint la mer. Tout d'abord, les sennes, c'est le nom que l'on donne au filet, sont étendues sur le sable. Cela permet de vérifier qu'elles sont en bon état. La senne mesure une trentaine de mètres. Un côté du filet est muni de flotteurs, tandis que l'autre est lesté de plomb. À chaque extrémité du filet sont attachés des bâtons, qu'on appelle les calans. Puis, on replie les sennes en les prenant par brasses. Chaque senne est portée par deux pêcheurs. À Créance, la pêche à la senne est collective. Elle réunit parfois jusqu'à 20 sennes, soit 40 pêcheurs. Le principe de la pêche consiste à aligner les sennes bout à bout de manière à encercler les mulets au moment où ceux-ci remontent la rivière. Puis à tirer les sennes sur la rive. Le poisson est ensuite transporté en charrette sur la dune. La quantité de poissons pêchés avoisine parfois la tonne. Le poisson est mis en tas, puis le partage commence. On répartit le poisson entre les hôtes des pêcheurs.
Sur nos côtes, autrefois, on récoltait aussi une plante marine, appelée zostère ou paillole. Celle-ci n'était pas utilisée pour fertiliser les sols, comme le varech, mais elle servait, après séchage, à rembourrer les matelas des hôpitaux, les paillasses des soldats ou encore les coussins des chemins de fer. Alors, voilà le début de l'opération. Les fermiers sont arrivés. Il faut avoir un droit d'exploitation pour couper ce zostère. On plante des filets pour retenir le zostère une fois coupé. L'homme affûte sa faux. Et va ensuite faucher le varech comme il faucherait une herbe. Il est ramassé avec des râteaux en bois et mis dans la voiture attelée par le cheval, voiture appelée tombereau. Voilà la paillole, qui fait 1 mètre, 1 mètre 50. Et le cheval en mange. En profite. Les chevaux aimaient bien la paillole. Un petit détail aussi, si le cheval, si les travailleurs continuent trop leur travail pendant longtemps, le cheval fait carrément demi-tour et remonte dès qu'il sent la mer remonter. Alors le tombereau est chargé et on va remonter vers la plage et la dune. Oui, la remontée est parfois difficile parce que il n'y avait pas à l'époque de cale bien roulante et ça se passait dans le sable. Oui. Il fallait quelquefois se mettre à plusieurs pour aider le cheval pour remonter la voiture. Remonter parce que le varech mouillé, ça pèse lourd. Voilà, on étend le varech qui va rester sur la portion qui a été allouée par la mairie. Oui, oui, portion de dune. Il est donc dessalé par la pluie jusque fin octobre environ, ce qui lui donne une belle couleur marron. Autrement, s'il est mal dessalé, s'il n'a pas plu assez, il est rouge et il vaut beaucoup moins cher. Voilà. Les processions dans l'église, c'était une sorte de démarche de solennité. Et à l'occasion de la fête eucharistique, la fête du Saint-Sacrement, qui est célébré liturgiquement chaque année, eh bien, on honorait le Saint-Sacrement en le portant solennellement en procession, non seulement dans l'église, mais à travers les rues des communes, des paroisses. On a fait ça pendant de nombreuses années, avec des arrêts qui étaient des reposoirs, des stations de prière, et on a cessé, par la force des choses, parce que les routes ne devenaient plus sûres à cause de la circulation. Hein, c'est ce qui a expliqué l'arrêt des processions qu'on ne fait plus maintenant, ou simplement à l'intérieur de l'église, ou dans des domaines tout à fait privés, quoi. La procession avait en tête la bannière, avec le défilé des hommes qui l'accompagnaient. Derrière, les enfants de chœur, les deux chantres, les enfants avec des corbeilles pour jeter des fleurs, et puis le dé porté là solennellement, et le prêtre Saint-Sacrement. Et normalement, des lanternes qu'on avait de chaque côté, et puis l'assistance derrière. Oui, et on allait au reposoir, et là, il y avait chant, prière et bénédiction de la foule, avec le Saint-Sacrement, par le prêtre. Mais c'est vous qui officiez. C'est moi qui portais le Saint-Sacrement, là, oui. J'ai dû passer mon appareil à quelqu'un pour filmer.
Puis on repartait solennellement vers un autre reposoir en chantant des cantiques. Et de temps en temps, les enfants s'arrêtaient pour jeter des fleurs sur le passage du Saint-Sacrement. Les enfants avaient des corbeilles de fleurs et ils les vidaient progressivement, petit à petit, entre chaque reposoir. Et on les remplissait d'ailleurs pour qu'ils puissent renouveler leurs gestes. Alors là, on voit des communiants, dans un jour de communion solennelle. Vous pouvez remarquer que là, les communiantes sont avec leur voile, les garçons avec un brassard. Et aujourd'hui, eh bien, on ne voit plus ça. Les enfants, que ce soit garçons ou filles, sont habillés en aube et portent simplement un cordon et une croix. Et le voile a disparu. Pratiquement, ils ont la tête plutôt découverte ou avec une simple couronne. Une autre différence qu'il y avait aussi, c'était dans les cierges des communiants. On voit là des cierges qui sont grands, d'autres moins gros, d'autres plus. C'est que les communiants achetaient le cierge qu'ils voulaient directement chez le fournisseur. Et il y avait quelquefois, je dirais, des manifestations d'un peu d'orgueil à l'avoir, hein, le plus gros cierge. Maintenant, tout ça, c'est fini. On met des cierges d'une taille unique. Il n'y a plus de différence entre les communiants. Par contre, il y avait aussi à l'époque des aspirants qui étaient des enfants du catéchisme qui se préparaient à la communion dans les années à venir et qui accompagnaient les communions de l'année. Maintenant, c'est aussi disparu, on ne trouve plus d'aspirants. Et malheureusement, on ne trouve plus non plus autant de communions qu'on avait à l'époque. Autrement, les communiants étaient accompagnés de leurs parrains ou de leurs marraines, ce qui se continue d'ailleurs toujours à l'occasion des communions solennelles. Remarquez que les enfants de chœur sont habillés avec une soutane rouge, un cotard blanc, alors que maintenant, ça a disparu aussi, ils sont habillés en aube en principe. Et là, on voit sur le film, on voit des chantres avec la chape qui accompagnait la procession et qui assurait le chant en route. C'est aussi, je dis, des personnes qui ont disparu dans la liturgie. La foire Sainte-Croix de l'Essé est un rendez-vous important de l'année. C'est l'occasion de faire des emplettes et d'acheter des objets usuels. On y trouve des poteries, des paniers, des sabots, une Normande portant une coiffe regarde les étals. La Sainte-Croix est aussi réputée pour sa foire aux chevaux. À l'époque, les cultivateurs utilisent encore des chevaux pour les travaux des champs. Un peu plus loin, on expose du matériel agricole. On découvre les premiers tracteurs et leurs remorques. Traditionnellement, le repas de midi se compose de gigots ou d'épaules d'agneau cuites au feu de bois que l'on déguste sous la tente assis à de grandes tables. La foire est aussi l'occasion de se détendre et s'amuser. Les artistes du cirque font la parade devant les passants. On croise même des animaux exotiques. Dans les villages se déroulent des fêtes traditionnelles, organisées par la commune ou la paroisse.
Les manèges ressemblent à ceux d'aujourd'hui, même si la forme des autotamponneuses a légèrement changé. Les enfants jouent au jeu des pots cassés. Le jeu consiste à casser, avec un bandeau sur les yeux, des pots en terre cuite contenant des surprises. Ici, les enfants participent à une course, au cours de laquelle ils doivent se déguiser avec les vêtements contenus dans une valise. On organise aussi des jeux intervilles. Ici, les équipes de Bretteville et Saint-Germain-sur-Aix s'affrontent dans une série d'épreuves. Autre attraction très appréciée, les défilés de chars. Les chars ont été décorés patiemment par des bénévoles pour être prêts le jour de la fête. On donne aussi des soirées théâtrales. Ici, la soirée mêle différents numéros. Histoire d'autrefois, musique, danse, chansons et courtes pièces de théâtre. Le football est très populaire. Ici, les deux équipes évoluent sur un vrai terrain nivelé. Ce qui marque un progrès, car avant la guerre, il n'était pas rare que les matchs se déroulent sur des prés pas toujours parfaitement plats. Les équipements du stade sont encore très simples. Au fond, on aperçoit le vestiaire. Et ici, une buvette pour les spectateurs. Autre sport très populaire également, les courses cyclistes. Les concurrents effectuent plusieurs passages dans le bourg. Et c'est l'arrivée de la course. Ici, une compétition originale, le Gymkhana Moto. Les concurrents, sur leur moto, participent à différentes épreuves. Ici, les motards doivent descendre dans un trou de bombe et remonter. Ce trou est un vestige de la guerre qui est terminée depuis quelques années seulement.
En 1971 est entrepris la construction de la route touristique, une large route à deux voies longeant la côte. Cette route nouvelle contribuera à désenclaver certains villages et à favoriser le commerce et l'activité agricole. Alors là, on est à Glatigny. Et à l'origine, le calvaire qu'on voit ici était sur le bord de la Berne. Et quand ils ont pu faire la route, il a fallu à ce moment-là, bien sûr, élargir l'eau, déplacer le calvaire parce qu'il se serait trouvé dans le milieu de la route touristique. Bien sûr. Et comme la première solution qui apparaissait normale, c'était de le détruire. Moi, je suis allé le prendre en photo, justement, avant, parce que je ne savais pas ce qu'il allait devenir. En fait, ils l'ont démonté et ils l'ont reporté ensuite sur le bord de la route, écarté d'une dizaine de mètres. La route touristique a changé complètement la vie des communes avoisinantes et de côtières, quoi. Ah oui. Il y a eu des échanges, non pas seulement touristiques, mais des échanges sur le plan de la culture, des ventes, des légumes, etc.